Salut tout le monde, c'est Ekaïs! Non. On recommence. On va recommencer. Je sais pourquoi j'ai un bug comme ça des fois de temps en temps. Lance-toi, ça. Allez, c'est bon. Allez, oh, feeling. Salut les amis! Salut Ekaïs! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle. Salut les amis, c'est Ekaïs. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo. Voir les prochains portails. Non, ça va pas du tout, frère. Ou sinon pour voir de plus près les prochains portails qui arriveront prochainement sur la globale. Ok, pour voir de plus près les prochains portails qui arriveront sur la globale. Pour voir de plus près les prochains portails qui arriveront sur la globale. Pour voir de plus près. Je sais. 1, 2, 3. Salut les amis, c'est Ekaïs. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pour voir de plus près les prochains. Salut les amis, c'est Ekaïs et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo les prochains portails qui arriveront sur la version globale. On va voir ça ensemble en compagnie de Mister et l'unique, unico, magnifico, sublimino, Chili. Comment allez-vous les frérots? Merci Ekaïs de cette petite invitation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah la bouca, je te jure, bref. Bon les frérots, aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer sur le titre et la miniature, nous allons voir les prochains portails qui arriveront sur la globale très prochainement. Et bien sûr, des suppositions de certains portails qui pourront apparaître. Et ça pourrait faire très plaisir qu'on en parle tous ensemble. Et n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire ce que vous en penserez de ce qu'on va voir. Et bien sûr, les likes si jamais vous voulez plus de vidéos de ce type. Et d'autres vidéos tuto, donc faites attention. Enfin, pourquoi faites attention? Je sais pas, t'es nul. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce format et ce style de vidéo. Et si vous en merci, avez plus, ça merci, fait extrêmement Chini. Plaisir. Les merci, Chini. Voilà, n'oubliez pas les post-likes parce que ça fait toujours plaisir. Ça fait pas plaisir. Donc, du coup, Chini, est-ce que tu es prêt pour les prochains portails? Est-ce que tu as peur un peu de ce qui va arriver sur la version globale? J'ai pas beaucoup de DS. Moi non plus j'ai pas beaucoup de DS, c'est surtout qu'il va y avoir beaucoup de portails intéressants qui vont arriver les frérots. Et on va parler du premier portail qui vont arriver très très prochainement. Les deux premiers portails qui vont arriver sur la version globale, ça va être Gogeta Blue et Broly. Les frérots, Gogeta, Chini, tu invoques ou pas? J'invoque direct. Pourquoi Gogeta? On va voir le portail ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le portail de Gogeta, nous avons donc le Gogeta AJ, donc qui se transforme en Gogeta Blue, le Gogeta SJ4 que je n'ai pas encore 100%, le Gotenks Endurance non plus, le Gogeta Intel j'ai 100%, le Goku AJ SJ3 je l'ai 100%, le ZTUR. Et bien sûr, on va avoir deux nouvelles unités. Ça va être le Goku Tech qui se transforme en Goku God et le Vegeta Pui qui se transforme en Vegeta God. Qu'est-ce que tu en penses avec le premier Vegeta God de Dokkan Battle? Bah en soi c'est des bonnes unités, moi je sais que je vais invoquer dessus parce que comme toi Gogeta 4 je l'ai pas à 100%, Gotenks SJ3 je l'ai pas à 100%, ouais. Même le Goku SJ3 AJ qu'il faut pas sous-estimer avec son ZTUR, il me manque des doublons aussi. Et ouais. Voilà le Gogeta AT je l'ai fini, mais c'est un portail globalement très très intéressant avec des gros cogneurs, mais vraiment de très très gros. Et voilà moi le Gogeta Blue c'est le bijou go. Oh, ah Gogeta, Gogeta. Non mais le truc en fait de ce portail, je comprends certains avis qui disent que bah voilà Gogeta, le portail on aurait pu voir X, Y, Z parce que c'est vrai qu'on avait vu des portails beaucoup plus intéressants, on est d'accord. Mais en soi Gogeta CG4, ça pourrait faire plaisir. Gotenks CG3 Endurance aussi, notamment bah, pour la team Fusion Metamol. Et le Gogeta AJ pour moi c'est ma priorité, je vais essayer de voir combien de DS je vais pouvoir accorder pour ce magnifique bijou. Mais comme tu le sais, il va pas être accompagné, enfin il va être accompagné d'un autre portail, comme ils savent très bien le faire de Dokkan Battle. On va avoir Broly qui arrivera en même temps que Gogeta. Et moi personnellement le portail de Broly ça va être ma priorité. Clairement, il y a beaucoup de personnes qui disent Gogeta ou Broly. C'est mon personnage préféré. Broly, c'est mon personnage préféré. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous, vos principales on va dire, invocations. Si ça va être sur le portail de Broly ou de Gogeta, mettez soit Broly, Gogeta. Moi, personnellement, je mettrai sur Broly. Toi, tu mettras sur Gogeta, Chini. Moi, je mettrai sur Gogeta parce que Omega, je l'ai 100%. Janemba puissant, je l'ai 100%. Ah, oui. Le Broly ZTUR, je l'ai. Après, bon, il y a Paragus et Broly Ikari. Sont quand même intéressants, mais... Après, ils sont pas de Canfest exclusif, tu vois. Exactement. C'est vraiment ma priorité, ce serait Broly. Alors que dans le portail de Gogeta, je peux quand même m'en sortir avec des doublons Gogeta 4, etc. Donc, il faut vraiment invoquer intelligemment
selon vos envies et surtout au niveau de votre box. Voilà, foncez pas tête baissée pour Broly s'il n'y a que lui que vous voulez, sachant que peut-être c'est vrai. Vous allez avoir. Ouais, j'apprécie Shiny, tu es très intelligent, monsieur. Non, mais c'est vrai. Et voilà, c'est vrai, il faut bien regarder les persos que vous avez dans le portail, que vous pouvez monter, que vous n'avez pas, et que vous avez, si jamais vous avez Omega 100% et Janemba 100%, on est d'accord que... Vous pouvez aller sur Gogeta Blue, quoi. Par contre, ça ne rien de vous empêche que si vous tapez Gogeta Blue et que vous avez encore des DS, d'aller chercher Broly. Exactement. Mais vraiment, jouer la très fine avec tout ce qui se passe, soyez malin. Exactement, on est d'accord. Juste pour rappeler le Broly, ce qui fait qui plus 6 attaque plus 130% et défense plus 100%. Starf. Donc ça c'est sa version de Kan. Le Gogeta, c'est attaque et défense personnelle plus 100%, attaque extrêmement efficace contre tous les types hein, comme d'habitude, et chance moyenne d'éviter les attaques ennemies. Ça c'est pas mal, 25% de chance. Je vais mettre le lien dans la description, le lien du wiki.fr, n'hésitez pas à aller voir ça les frérots. Lorsque les conditions requises, il se transforme en Gogeta Blue, et son passif c'est attaque et défense personnelle plus 130%, coup critique garanti lors d'une attaque, et grande chance d'éviter les attaques ennemies. Incroyable, incroyable. Merci. C'est ouf. Hein. Et Broly lorsqu'il se transforme, c'est donc ki plus 8, attaque plus 188%, et défense plus 120%. Ah ouais, c'est pas mal. Et garantie une attaque supplémentaire est forte, 50% de chance de lancer une attaque spéciale. C'est un petit peu comme... tu vois la transformation de Gogeta et de Vegeto LR. C'est vraiment, tu sens la différence quand ils sont transformés, quoi. Tu la sens vraiment bien. T'es pas là juste, tu te dis, cette petite transformation, c'est... Tu la sens bien comme il faut et elle fait vraiment du bien. Et bon, putain, presque 200% le Broly. Bon, moi personnellement, j'ai dit j'invoquerai sur Broly et puis j'irai chercher le doublon pour Omega Shenron. Pourquoi pas Broly CJ3, même si j'en veux pas, mais je sais très bien, il va tomber, il me kiffe. Janemba, il m'en reste un pour qu'il soit 100%. Donc, moi, je vais principalement me concentrer sur Broly. Toi, Shiny Gogeta, j'espère pour toi que tu l'auras, mais. Enfin, voilà. J'espère que tu l'auras pas, gros. J'espère j'ai failli t'insulter, je suis retenu. Voilà, c'est parti, trop crème. On est d'accord que c'est couleur AG qui arriverait. Non, vas-y, laisse-moi. Ouais, portail, même pas j'invoque sur ce portail. Pourquoi? Tu sais même pas couleur AJ ce qu'il fait. Couleur AJ, il est bien, mais j'ai le reste derrière avec plein de doublons. Ah non, j'ai pas le Mirai Gohan. Ouais, tu vois, il y a Mirai Gohan dedans, j'ai pas Mirai Gohan. Il y a le couleur AJ. Ça, c'est un des portails qui pourrait arriver prochainement sur la version globale parce qu'on ne l'a pas vu. Ça a été totalement skippé. Il y a deux portails qui ont été totalement skippés, pardon. C'est le couleur AJ et c'est Blagoku qui arriveront prochainement parce qu'ils peuvent pas ne pas apparaître comme ça. Et oui, Pélo. Le couleur AG, juste vite fait pour sa version Dokkan. On va vous montrer d'abord son portail. Très belle spé au passage. Hein. Tac. Donc voilà. Le couleur AG qui fait attaque et défense personnelle plus 80%. Attaque plus 10% supplémentaire par attaque encaissée. Donc maximum 70%. Récupère 7% de PV à la fin du tour s'il a encaissé une attaque. Fusionne une fois seulement avec le noyé si PV à 50% ou moins. Si jamais donc les conditions sont requises, augmente fortement plus 50% l'attaque pendant un tour et inflige dégâts destructeurs à l'ennemi. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Mais son passif il change pas. Bref, j'invoquerai pas moi personnellement sur ce portail. C'est leader catégorie le plus cruel peuple. Le plus cruel peuple. Ouais, il y a Metal Cooler, il y a Freezer et il y a Cooler, il y a Freezer, il y a Shilen. J'ai trop occupé sur Gogeta Blue. Le frère il va pas apparaître en même temps. Mais je m'en fous, je vais venir après. J'aurais plus DS à son portail. Je suis d'accord que dans le portail, il y a un déconne explosif dedans, il y a couleur, il y a. Donc il y a le couleur, il y a le metal couleur, il y a le couleur, Neo Gotier, il y a le Frieza, full power, il y a Jiren et il y a Mirai Gohan. J'ai pas Mirai Gohan, j'ai pas couleur. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous allez invoquer quel portail principalement. Oli, Gogeta, si vous attendez peut-être le black, le couleur, je sais pas, mais en tout cas, j'attends portail, plus le black que le couleur. Ah, moi personnellement, ce portail, je pense que je vais le skipper. Ce portail, je vais le skipper, même si le Metal Cooler peut être très intéressant. Même si j'ai pas compris ce que sa version fusion faisait. Ah, d'accord, il a un boost d'attaque de 45 000 d'attaque. Ok. Skip. Ça marche. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais pour Metal Cooler, je sais pas. J'hésite, franchement, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là je sais pas du tout pour le Metal Cooler. On passe à la suite. Le prochain portail qui pourrait arriver c'est le Black Goku.
c'est le Black Goku qui pourrait arriver. Après, bien sûr, le portail de Metal Cooler, si on se fie à la version japonaise du jeu. Black Goku, Shinmi, qu'en penses-tu? Ah, Black Goku, il y a des chances. Il y a des chances que je craque. Moi, c'est son portail qui m'intéresse énormément. C'est le portail qui m'intéresse le plus. Ouais. Parce que, encore une fois, il faut invoquer intelligemment pour regarder. Certes, j'ai le Ikari 100%, enfin le Trunks et le Vegeta. Ouais. Mais je n'ai pas le Bardock SSJ 3. Ouais, moi non plus. Déjà, il n'est pas revenu des tonnes de fois non plus. C'est vrai. Le Rosé Puissant, c'est une valeur sûre. Je ne l'ai pas du tout 100%. Je crois que j'ai que 2 doublons. Ouais. Goku SSJ 4. Goku SSJ 4, 0 doublons. Ouais. Et le mais Black, tu l'as le Goku SSJ 4. Ouais, je l'ai. Putain, le Goku SSJ 4. Ah là 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 là. Mes 0 doublons. Et le ZTUR de Cell aussi, je l'ai pas terminé. Et le Black T magnifique que j'ai pas. Enfin, qu'on a pas quoi. Et franchement, non, mais je vois. Un portail pour moi. Ce portail là, moi personnellement, je vais pas le skipper. Personnellement, je vais mettre beaucoup de Dragonstone dessus. Ouais, ouais. Parce que je n'ai pas le Bardock SSJ 3. On le voit pas assez souvent comme l'a dit Shinmi. Le Rosé, c'est une valeur sûre. Le Goku SSJ 4, je ne l'ai pas. Donc je suis un peu dégoûté de pas l'avoir. Donc on va donner les moyens de l'avoir, d'aller le chercher. Et bien sûr le Black Goku qui fait attaque plus 40% au début de chaque tour. Chance de coup critique plus 5% à chaque fois qu'une attaque est encaissée. Donc ça peut aller jusqu'à 40%. Donc en version de Kan, c'est vraiment pas dégueulasse. Et bien sûr, si les conditions sont remplies, provoque transformation. On verra bien la transformation tout à l'heure. C'est leader catégorie voyageur du temps. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent. Il y a beaucoup de persos pardon, qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Donc ça peut être pas mal. Et la carte est très belle. En elle-même, la carte est très belle. Et lorsqu'il se dokan, lorsqu'il se transforme, pardon, attaque plus 150% et chance de coup critique plus 50% qui plus 3 pour les alliés de classe extrême. Très très bien. Plus rien à dire, les frérots. Moi perso, ce portail, je vais invoquer. Mais ça va être très dur. Bon. Moi personnellement je suis cash player, pour vous les free players ça va être très compliqué parce qu'il y a le portail de Gogeta et de Broly qui vont arriver prochainement. Plus bon, couleur, vous skippez. Moi personnellement, un conseil, après vous faites ce que vous voulez de vos Dragonstone et tout, mais ça va pas être forcément, je sais pas, j'ai pas envie de vous dire n'invoquez pas etc. Bon de toute façon on sortira le numéro de on n'invoque ou pas, c'est pas le sujet de la vidéo. Et bien sûr, après le Black Goku qui pourrait arriver dans courant mars ou fin mars ou je sais pas, au début avril. Mais en tout cas, le Black Goku, moi j'invoquerai, c'est sûr. Moi aussi, c'est sûr. C'est sûr. Combien de DS tu mettrais environ? Il y a des chances que je lâche mon beau petit 200-250. D'accord. Honnêtement. Ok. Donc tu fais le calque. Ouais, il y a moyen de 2-3 paquets qui volent dessus. Quoi. Ça marche, ouais, le portail est vraiment pas bon. Ah, après, il y a incroyable. Le Vegeta God, je l'ai pas 100%, Trunks qui arrive pas 100%, Celtec non plus. Non, franchement, là, j'ai aucun 100%, donc je prends toutes les unités qui me tomberont dessus. Et là, bien sûr, le prochain portail, les amis, le prochain portail, parce qu'on arrive courant avril, et tout à l'heure, Monsieur Shinmi en a parlé, et on suppose, justement, avec Shinmi, qu'il pourrait avoir le portail DB Heroes qui pourrait sortir sur la version globale pour la première fois parce que il y a la sortie internationale de Dragon Ball Heroes qui sortira je crois environ le 5 avril. En fait c'est début avril, bref. Et on pourrait avoir un crossover donc avec Dokkan Battle et DB Heroes pour faire la promotion du jeu à l'international. Et pourquoi pas nous avoir un portail. Là je vous ai mis un portail au hasard de qui est sorti sur la version Jap. C'est des unités pas dégueulasses hein, Shinmi. Il y a des unités qui peuvent être intéressantes. Qui pourrait apparaître. Là je ne sais pas, là je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle unité on pourrait avoir sur la version globale parce que ça change tout le temps. Là on a eu, enfin sur la version Jap sur le 7ème anniversaire, il y a eu Gohan SSJ 3, Trunks SSJ 3. Pour le 8ème anniversaire on a eu Goku SSJ 3, Vegeta SSJ 3, Xenoverse et tout etc. Bref, enfin pas Xenoverse mais t'as compris, Heroes, des trucs chelous et tout etc. Même le masque, le Vegeta masqué etc. Enfin plein de trucs comme ça. Donc moi je suis preneur. Moi j'aime bien tout ce qui est licence chelou comme ça. Moi je prends direct, j'invoquerai. Qu'est-ce que t'en penses toi? En plus le portail il est pas mal en soi donc Après ça dépend. Moi je peux pas. Là actuellement, je peux pas garantir qu'il va avoir par exemple début avril. Non, mais je te parle des unités qui sont déjà affichées en soi. Ouais, sur la version Jap quoi. Ils sont combien ouais. Alors attends, je vais juste en prendre une au hasard. Par exemple pour le Gohan SSJ 3 qui apparaît là à l'écran. Le Gohan SSJ 3, qu'est-ce qu'il fait? On va voir vite fait. Tac tac. Attaque et défense plus 60% et attaque plus 60% supplémentaire lors d'une attaque spéciale. C'est pas dégueulasse. Ah ouais, bah c'est combien la première valeur 60% et 60. Donc c'est 120. Ouais. Non, c'est pas 120. Non, ça s'additionne pas.
En gros, c'est les pourcentages s'additionnent pas, frérot. C'est par exemple, ouais. Tu prends une valeur d'attaque, je te dis n'importe quoi, 8000. Non, mais ça, je fais plus 60% à 8000. Mmh. Et après, donc, par rapport à ce pourcentage-là récupéré, tu fais plus 60%. Enfin, par rapport à cette unité-là, plus 60%. Ok, ok. J'ai compris. Voilà, ça marche. Donc, c'est plus. Normalement, c'est beaucoup plus que 120%. Donc, non, franchement, c'est pas dégueulasse. Après, t'as le Trunks SCG3. On va rapidement voir ce qu'il fait. Bim, 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 bim. Donc, toi, t'invoques, toi, t'as dit Shinny. Sur celui-là, il y a des chances. Non, mais s'il y a des Gohan SCG3, des Trunks SCG3, des Vegeta SCG5, du Goku SCG7. Ouais, peut-être, ouais. Ah, d'accord, je vois ta plate. Le Trunks, il fait attaque et défense plus 60%, désactive la garde de l'ennemi et grande chance de garde activée contre toutes les attaques. Moi j'invoque. Allez, dans ma team magie ou même dans la team SCG3, il y a moyen, tu vois, avec le Bardock SCG3, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire de ouf. Donc en tout cas, voilà. Moi le portail des Béroses, je vais pas skipper, je vais invoquer des petits Dragonstone comme ci par là. Certainement en live et en vidéo, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc préparez-vous à un portail éventuel de ce type. Prochain portail, Shinny. C'est sûr, il y a moyen qu'ils vont nous avoir. Ils vont nous avoir. À l'usure. À l'usure, peut-être. Ah frérot, ce genre de portail, c'est vraiment c'est ma faiblesse. Je suis en manque d'orbes et tout, etc. C'est ma faiblesse de ouf. Sur la version japonaise, il y a eu des portails donc, de ce type avec les orbes qui arrivent. Et plus en plus, ça, il y avait Broly, Ikari, etc., etc. Enfin, moi, personnellement, sur ce type de portail, je risque d'être faible et d'invoquer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Shinny? Moi, je serais pas faible, j'invoquerais pas. Sérieux? Surtout que les unités Pan et Rildo, c'est des unités comme Tenchinan Tech et tout, etc. Tu sais, les supports que tu peux récupérer uniquement dans ces portails-là. Ils ont été malins. C'est-à-dire, c'est des unités que tu ne peux récupérer aucunement ailleurs qu'uniquement sur ces portails. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est quand même quelque chose qui... Mes DS ne partiront pas là-dedans. Pour des orbes, en tout cas, principalement. Parce que c'est pas des unités réellement que tu vas saigner ou que tu vas vraiment utiliser très très souvent. Donc... D'accord, là, ok. J'ai jamais invoqué sur ce genre de point. I respect my friend that. Tout à fait. Yeah, my friend. Donc du coup, vous, en commentaire, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je risque d'être faible, de claquer une multi, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Hashtag faiblard, ouais, tout à fait. Là, frérot, on entame. Après, moi, je peux pas savoir ce qui va se passer en mai, je peux pas savoir ce qui va se passer en juin, mais on peut savoir ce qui va se passer hein, en juillet, pour les 4 ans de Dokkan Battle version globale, qui est sorti très récemment sur la version japonaise. Goku et SCG4 et Vegeta SCG4 avec un portail de folie, frère. Comme ça, tout le monde le sait. C'est un truc de ouf. Un portail de folie. Sérieusement les frères, pour tous ceux qui me posent la question, et c'est pour ça que j'en parle là aujourd'hui, qui, à quel moment nous on aura ces portails là normalement, si on se fie par rapport aux années précédentes, Gogeta SCG4, Vegeta SCG4, c'est début juillet. J'ai pas envie de te dire le 7 ou le 8, bref, c'est vraiment début juillet. C'est vraiment, vraiment, vraiment totalement fou. Avec Vegeto LR, avec Goku multiforme, Jiren, Goku Ultra Instinct, bon, on le voit assez souvent, Goku Ultra Instinct, bon, il m'a saoulé. Et moi, je veux absolument le Marsupilami, le Golden Freezer que je n'ai toujours pas, le leader ressuscité, ça me casse les bonbons. Et bien sûr, l'unité phare, Goku LR, Shinny, qu'est-ce que t'en penses? Incroyable, le portail, incroyable. C'est incroyable, avec Vegeto LR et tout, putain. Je veux tout. Tu veux tout? Tout. T'as aucun 100%. À part l'ancien Goku et SCJ4. Ah, je l'ai pas 100%. Golden Ange, j'ai un doublon. Nigate, j'ai deux doublons. Vegeto LR, j'ai un doublon. T'as un doublon de Vegeto LR, toi? Ouais. Tu l'as sorti d'où? Je l'ai eu en single sur le portail Tanabata. Goku multiforme, je l'ai pas. Moi non plus, je l'ai pas le Goku multiforme. Je l'ai pas. Le Freezer, t'as dit. Donc voilà. Franchement, très bonne unité. On va aller voir Vegeta SCG4 parce qu'il arrive en même temps que le Goku SCG4. Bim, 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 bim. Le Vegeta SCG4. Frère, Vegeta SCG4 puissance. C17 MVP. Freezer multiforme. Vegeta Saiyan pur. Thales, boss de film. Gogeta LR. Et bien sûr, Vegeta SCG4 que j'ai en doublon. L'ancien Vegeta SCG4 que j'ai en 100%. J'irai sur ce portail direct. Ah là, ce portail direct, Shinny. Ah, je te jure, je suis trop hypé.
J'ai trop envie d'aller voir en juillet ce qui va se passer. Bon, on sait pas ce qui va se passer en juin aussi. Ils vont pouvoir nous faire des trucs de ouf. Ils vont vouloir nous faire craquer, les frérots. Mais ces portails-là, ils sont totalement fous. Ça va être la même chose, je pense. Après, moi, c'est encore le. Les deux, ils me hype de ouf. Mais je réfléchis encore en mode. Bah, VGT CG4, j'ai que deux doublons. Ouais. Gogeta et l'air, je l'ai pas. Thales, je l'ai pas. Il est grave fort. Ouais. VGT Evolution, j'ai zéro doublon. Freezer Multiforme, je l'ai pas. Les 17 MVP, zéro doublon. Ah, en gros, c'est. C'est le portail de l'année pour moi, frère. Et surtout, en plus, attends, les deux portails, c'est totalement des portails fous. J'ai rarement vu un portail aussi bien. Enfin, je vais pas parler de Gogeta. Enfin, des portails LR. Vas-y. Ce qui les rend incroyables, c'est surtout qu'ils ont mis Vegeto LR et Gogeta LR là-dedans. Et plus les multiformes. Ouais, ouais. Mais c'est ça qui fait le goût magnifique que procure le portail. Ouais. Ouais. Donc toi, tu et surtout qu'il y a les active skills qui arrivent à ce moment-là. Yes. Il y a les skills. Oh, j'ai du mal à le dire. Hein. Les active skills, active skills, yeah, my friend. Donc Vegeta et Goku, est-ce que t'as eu l'occasion de les tester ou pas du tout? Pas du tout. Tu te laisses genre en gros, tu te laisses le suspense. Ouais, j'observe. Putain, le Vegeta LR, observation, est trop beau. Capitulation. Putain, mettez en commentaire vous ce que vous en pensez, Gogeta SLG4 ou Vegeta SLG4. Frérot, c'est déjà bien, là tout ce qu'on a pu se dire par rapport aux différents portails qui pourraient arriver. Je ne pourrais pas m'avancer sur les portails pour le mois de mai et le mois de juin. Je ne sais pas du tout ce qu'on aura. On aura certainement des célébrations, certainement les 300 millions de téléchargements. Qu'est-ce que t'en penses toi? Et bien sûr, voir. Pourquoi pas pour une célébration commune, le Gogeta SCJ4 LR. Je ne sais pas. Franchement, ils nous ont sorti Goku et Vegeta SCJ4 LR. Pourquoi pas pour les 300 millions et les 350 millions. La carte est magnifique, c'est un fan art. Je mettrai en description la personne qui a fait justement cette magnifique carte. Et là, sérieusement, ça va être le feu. Je pense pas pour l'anniversaire, mais je pense pour, comme t'as dit, une très très grosse célébration. Ouais. Dingue. C'est un peu comme Goku et Freezer LR. Ouais, 300 millions ou 350 millions de téléchargements. Un truc de malade, genre. Et bon, casser le truc. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, quand Gogeta 4 il est sorti pour la première fois avec Omega N, tout le monde était choqué. Ouais. Et c'était après les anniversaires et personne s'y attendait. Limite, ils sont tombés comme du beurre, genre, dans le truc, sans célébration, quasiment, sans rien. Donc. Pour une grosse célébration, ils peuvent nous mettre Gogeta 4 LR. Ouais. Exactement. Franchement, il y a moyen. Il y a moyen. Bon, en tout cas, on a fait le tour un peu des différents portails qui pourraient avoir. Vous, derrière l'écran, courage à vous pour que ce soit les free players ou même les cash players. Ça va être très compliqué. On va devoir s'accrocher. N'hésitez pas à faire un tour justement sur les vidéos. On invoque ou pas. J'essaierai d'en faire au fur et à mesure pour essayer de vous guider au mieux sur les différents portails qu'il va avoir. Chini, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi. Il y a des random rush avec lui. Il y a des duels invocation. Donc très prochainement, les petits duels invocation pour que je le fume avec des petits comment on va dire ça? Des petits gages avec des petits Arisa par-ci, par-là. Je vais te fumer, frère. Voilà, ouais, je vais te fumer. Donc merci à toi d'avoir assisté à cette vidéo. Ça m'a fait plaisir. Comme ça, on a pu justement échanger, avoir ton avis. Parce que regarde, tu m'as orienté sur Vegeta SLG4 alors que moi, à la base, je voulais invoquer sur Goku SLG4. Mais en vrai, Vegeta Silicate, le portail, il est magnifique. Incroyable. C'est un truc de ouf. En tout cas, merci à vous tous derrière l'écran. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Shiny. Ça sera dans la description et sur l'affiche. Et je te laisse le mot de fin, monsieur Shiny. Des bisous. Merci beaucoup. Bisous. Ciao, l'équipe. Ciao. Ciao.